Member statements. Déclaration de député. The member for Chatham-Kent, Leamington. Député de Chatham-Kent, Leamington. Bonjour, Monsieur le Président. Le 20 avril, j'étais si fière de me joindre à plusieurs centaines de bénévoles, de membres de la communauté qui ont mis en place des activités, les activités qui ont été menées par mon ami Jefferson et qui a été suivi par des centaines de sponsors, y compris des organismes qui organisent donc des espaces de loisirs et qui ont mis en place des activités pour les écoles publiques. C'est quelque chose qui est important, y compris pour toutes les petites sociétés qui travaillent dans le secteur de la foresterie. Ces espèces d'arbres ont mis en place beaucoup d'activités pour que tout le monde puisse en profiter. Ces projets montrent la résilience et les décisions de la communauté pour pouvoir travailler ensemble. Ces activités, cet espace de loisirs et éducatif symbolise le besoin de faire reconnecter les collectivités entre elles et faire en sorte qu'on puisse véritablement mettre en place tout ce qui est nécessaire pour pouvoir montrer la force de cette collectivité. Thank you very much. Member statements. The member for University Rosedale. Député de University Rosedale, merci. Les conseils scolaires à Toronto se trouvent face à des manques de financement car ce gouvernement a décidé de ne pas financer comme il faut ces gouvernements. Les conseils scolaires manquent de fonds à hauteur de 37 millions de dollars. Je pense à Otti. Son fils se trouve dans une école qui aide au développement. Il a été attaqué deux fois par un autre enfant. Il a été blessé physiquement et il a maintenant des cicatrices et on a demandé de le garder en sécurité, mais l'école n'a pas les ressources pour pouvoir tenir cet enfant en sécurité. Et je pense aux autres enfants qui sont en danger. Alors, il faut parfois que les enseignants puissent enseigner dans trois classes différentes toute la journée. C'est une tâche très difficile qui fait que les enfants parfois vont rester à rien faire et les enseignants se trouvent complètement dépassés. Des histoires comme ça arrivent dans mon bureau chaque semaine. Chaque école doit faire plus avec moins chaque année. Et donc, il faut demander au ministère de financer comme il faut et d'être redevable pour le manque de ressources à cause de la COVID, à cause des directives provinciales et fédérales et à cause des réponses de ce gouvernement et de ce ministère qui, quand il faut, regarde de l'autre côté. Alors, je pense que nous devons à nos enfants une éducation de première classe et pour cela, il faut que le ministère et le gouvernement fassent leur travail comme il faut. Merci. Thank you very much. Member statements. The member for Bruce Gray Owen South. Thank you, Speaker. Colleagues, last Sunday, I had the pleasure. Député de Bruce Gray Owen Sound, j'ai eu le plaisir de pouvoir participer à des cérémonies pour des prix dans la galerie d'art de Owen Sound. C'était très intéressant de reconnaître le travail et le talent de beaucoup de membres de la communauté. Et Tom Thompson est né en Ontario et donc il est né à Owen Sound. Il a développé son talent et son art. Il est devenu part du groupe des sept et il a passé beaucoup de temps dans le parc de notre circonscription et il a peint surtout des paysages, des arbres, des ciels, des lacs et des rivières. Son travail inclut Northern Pine, Spring Ice et le Jack Pine et d'autres. Tom Thompson est décédé à l'âge de 39 ans. Il est décédé avant la création du groupe des sept, mais il en est considéré comme un membre officiel. Qu'il se repose à l'église United Church et je le remercie pour son travail, pour son talent, pour tout ce qu'il a apporté à sa collectivité
Et merci aussi à l'équipe de la galerie d'art de Thompson pour rendre cette galerie un endroit qui véritablement inspire les personnes. Et je les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Merci beaucoup. Thank you. Statements, the member for Mishkegawak, James Bay. Député de James Bay. J'ai oublié la semaine dernière que j'aimerais partager aujourd'hui. Je vous lis un extrait. Près de 2,3 millions d'Ontariens sont sans médecin de famille. On estime qu'en 2026, c'est le quart des Ontariens qui n'en auront pas. Entre le premier fardeau, habité dans le nord de la province, je pense à la ville de Hearst, une ville du secteur forestier qui habite un peu plus de 5 000 habitants, dont 4 000 habitants sont sans médecin de famille. Entre le deuxième fardeau, vivent en français en Ontario. Environ la moitié des francophones disent parler en anglais avec leur médecin de famille. Dans le budget, la seule mention de somme pour améliorer l'accès aux services en français dans l'ensemble de l'Ontario est de 10 millions sur 3 ans, soit un peu plus de 3 millions par année. Entre les entrepreneurs francophones, le nombreux conseil dans le système français qui demande du financement pour le transport scolaire et les hôpitaux qui veulent régler une crise de dotation de médecins francophones, qui va gagner? De ceux-là, combien de ce 3 millions par année va aller dans le sud de la province ou dans l'est, plutôt qu'au nord? C'est ça, la réalité du fait français en Ontario. Choisis. Habite dans le sud ou parle en anglais. Merci, M. le Président. Merci. Member statements. The member for Carleton. Député de Carleton. Quand les personnes essayent de pouvoir répondre à certaines activités, nous savons qu'il y a donc des groupes de bénévoles qui mènent des banques alimentaires. On a rapporté que plus de 600 000 familles ont besoin de faire appel aux ressources de la banque alimentaire et de pouvoir utiliser ces ressources dans différentes collectivités. On a lancé un projet organique qui ouvre ses portes le 6 mai, juste avant on a essayé de fournir des espaces dans des magasins pour pouvoir créer des espaces pour la banque alimentaire. Et cette personne aide également pour les donations pour la banque alimentaire. Je suis très fière en tant que députée de Carleton et il ne faut pas oublier la pauvreté, la faim qui est autour de nous. Nous devons mesurer l'impact que nous pouvons avoir sur les autres. La table communautaire va avoir un impact sur beaucoup de personnes et je sais que ça va avoir un impact sur des milliers de personnes. Merci. Member statements, the member for Nickel Belt. Thank you, Speaker. Député de Nickel Belt. Nous savons que les prix de l'essence ont augmenté de 40 sous par litre dans le Grand Toronto et le Premier ministre a donc soulevé aussi le problème des prix qui sont modifiés par les stations de gaz. J'applaudis le travail du Premier ministre et je lui propose une solution. Nous avons ces problèmes à Nickel Belt depuis des années. Quelques sociétés qui vendent l'essence décident les prix à des niveaux que les sociétés et que les citoyens ne peuvent pas affronter. Nous avons fait des pétitions pour réglementer le prix de l'essence et de l'énergie pour l'électricité. Qu'est-ce qui nous arrête de pouvoir réguler le prix du litre de l'essence? Les 5 provinces et beaucoup d'États aux États-Unis ont déjà une réglementation pour les prix de l'essence et ça fonctionne bien. J'ai demandé que le Premier ministre puisse considérer de réglementer le prix de l'essence ici en Ontario pour qu'aucun d'entre nous n'ait à payer des prix décidés par d'autres. C'est un moment où ce Premier ministre pourrait faire les choses véritablement. Vous avez reconnu que les Ontariens doivent payer des prix arbitraires imposés par les quelques marchands de la province. Alors nous devons arrêter les prix arbitraires, Monsieur le Président. Thank you very much. The next statement, the member for Oxford.
Député de Oxford. Nous avons donné des prix annuels d'excellence. Ces prix peuvent contribuer à la croissance et l'excellence de la province. Dans les fermes, les familles ont mis en place des prix pour les entreprises. Le Joe's Carpentry a été nommé comme la plus grande entreprise de l'année et ils sont en train de mettre en place tout ce qui est nécessaire. Nous savons qu'il y a des personnes qui ont reçu le prix de l'année. Manon Plank, qui a gagné le prix du citoyen de l'année, Jacqueline Badi, qui a reçu un autre prix, et finalement, Tom Hammerlock, qui a reçu un prix pour ses contributions excellentes. Ces personnes et leur travail sont précieux pour la communauté. Félicitations à tous les gagnants de ces prix. Thank you. Member statements, the member for Haldimand, Norfolk. Thank you, Speaker. Député de Haldimand, Norfolk. Merci. Nous avons vu en fait un immeuble, un groupe en fait qui s'est réuni dans l'aréna de ma circonscription qui a célébré un tournoi. C'est un tournoi qui a attiré des talents de hockey pendant 20 ans. Il s'appelle Six Pack et parce qu'on a en fait beaucoup de joueurs et plusieurs gardiens de but. C'est quelque chose qui permet de mettre en place des jeux dans lesquels on montre le fait qu'on puisse véritablement faire des jeux et des matchs qui sont historiques. Et l'une des équipes qui a véritablement été une équipe très importante, qui a été sponsorisée. Mon fils y a participé. Les autres personnes qui ont participé à l'équipe, dont les noms sont cités par la députée, eh bien, ont participé et n'ont pas réussi à arriver en fait au championnat final à cause du fait d'avoir perdu un match. Pendant longtemps, Roger DeMister a rappelé en fait qu'il a joué dans son 8000e match. C'est donc quelque chose qui fait en sorte qu'on puisse faire respecter aussi la camaraderie et toutes les bonnes pratiques dans le hockey. Merci pour tout ce que vous avez fait cette année et nous nous verrons donc l'année prochaine. Le député de Kitchener-Conestoga. Merci, Monsieur le Président. Je suis ravi de vous dire que Kitchener fait les choses concernant le logement. On nous a rejoints récemment pour féliciter le travail bien fait. Nous respectons nos objectifs de logement et nous avons reçu 13 millions de dollars au niveau des subventions du gouvernement. Nous avons un programme de plus de 2 millions de dollars afin de pouvoir faire face aux problèmes de logement ici dans la province. Nous recevons des financements pour avoir fait des progrès, se rapprocher de nos objectifs et aussi pour construire plus de logements et des infrastructures. Nous avons plus de 3500 nouvelles unités construites en 2023. Cela dépasse nos objectifs. Le maire de Kitchener, M. Brovanerig, et son conseil ont fait un travail absolument incroyable. Ils savent que de faire face à la crise du logement est un effort d'équipe. Cela va prendre le travail et les démarches de toute la communauté, de tous les niveaux du gouvernement et pour que les secteurs privés et publics travaillent aussi main dans la main pour s'assurer que les Ontariens ont un toit sur leur tête et reçoivent tout le soutien dont ils ont besoin afin de s'épanouir dans la vie. Et je soutiens ceci absolument, Monsieur le Président. Merci beaucoup, Kitchener, pour faire le travail et passer à l'action. Merci.
Prochaine déclaration, le député de Etobicoke Lakeshore. Merci, Monsieur le Président. La semaine dernière, c'était la fin de la semaine de l'appréciation des bénévoles et je voudrais fêter les bénévoles d'Etobicoke Lakeshore qui ont reçu la récompense des bénévoles cette année. Et M. Ford et les députés d'Eglinton, nous sommes retrouvés pour la réception de ces récompenses. Le travail dans notre communauté par les bénévoles est indispensable, mais il est aussi invisible. De ce fait, je voudrais reconnaître ces champions communautaires. Par exemple, une femme qui a travaillé pendant 5 ans au Women's College of Hospital, Mme D'Acosta, qui a travaillé dans un autre programme pendant 5 ans, Mme Woodger, qui a travaillé pendant 5 ans à Kensington Health, Joanne Dankberg, qui a travaillé pendant 5 ans dans un hôpital de Toronto, Mme Solansky, qui est bénévole de 10 ans avec le Centre culturel japonais. Il me faudra y aller, Mme Kawata, avec 10 ans dans un autre centre, Giovanni, qui a travaillé pendant dans le programme de thérapie pour les chiens et à St. John's au niveau des soins ambulatoires. Monsieur Fillmore, 15 ans avec le Festival international du film de Toronto. Une autre personne a 25 ans de en tant que bénévole au Festival du film international. Madame Shima qui a travaillé pendant 20 ans avec le Centre culturel chinois. Chaque bénévole a une histoire de générosité et de bienveillance. Merci à leur travail. Merci beaucoup. Ceci termine la séance de déclaration.